Petite balade, fin de journée, on est à Anzère et puis on fait le grand Bisdaïen pour un petit bout, puis après on va monter sur les Grillasses et c'est parti. Au menu de ce 4 septembre, une petite grimpette en solo à Anzère en Valais pour reprendre la rando après le chemin de Saint-Jacques. Je pars dessous le tennis, emprunte le Bisdaïen jusqu'à la Boussielle, puis je prends la vieille route jusqu'à Ozona et grimpe dans la forêt du Partsay, arrive au Crédaïen, puis le Dalay. Puis les Grillasses, je redescends par la route d'Audet, puis je reviens sur Anzère par le Bis de Sion. J'aurai parcouru 6 km avec 344 mètres de dénivelé positif et 217 de négatif. Le long de ce magnifique bis, donc un bis pour les étrangers. Donc c'est en fait, on va chercher de l'eau en haut de la montagne et puis ils ont construit des petits canaux comme ça le long des flancs de la montagne pour amener l'eau plus loin. Énorme travail. Quelquefois c'est des falaises. Celui-là, il y avait un bout justement qui tourne autour des falaises, mais là, on va pas passer par là. Alors, on est à la Boussielle. Là-bas, il y a de l'eau dans ce pays. Oh là là. Après avoir séché en France. Là. Dans l'ancien temps, c'était pas comme ça là. Je passais à vélo et c'était vachement plus de gueule. Ils ont bien changé. Ça s'est amélioré. Sécurisé. C'est un vrai autoroute hein, maintenant. Avant, c'était un petit peu plus difficile ça. Si je le dis maintenant, pour un petit bout. On est au Partsay. Et on part plus haut. On quitte le bis. On va faire un petit bout de route. Et puis, retour sur des chemins plus sympas normalement. De Fornirie, ça s'appelle. On va remonter, continuer à monter cette fois-ci sur le fond. C'est un gros carrefour là. Donc on quitte la vieille route d'Anzère. Et c'est parti pour la montée. Une belle vue sur Nax. La Dombe Maya là-haut. En bas, le Christ-Roi. Le village là, c'est Lens. Le vallon de Bréchit au fond. Puis là-bas, il y a Vercorin. Et puis tout près là, c'est Cran. Voilà, puis le fond de la vallée du Rhône. Et puis nous, eh ben, on va prendre le truc le plus raide. Voilà. Chemin un peu abrupt, mais c'est beau. Là, chemin très raide. Ah, une belle vue. C'est Redibus. Ah, ça, c'est le fond de la vallée du Rhône. Je viens de passer des petits chalets là. Ah, c'est paumé. Hein. Pas un 4 pour monter. Puis là, on arrive gentiment au Grillas. On arrive au Grillas avec l'horrible état de siège. Abîme tout le paysage, mais sinon là il y a un petit hameau très mignon. Bon, voilà, j'ai oublié de filmer pendant la descente et là on se retrouve sur le chemin qui amène à un autre bis cette fois-ci qui est un petit peu plus haut et qui amène à Anzère directement. Si on va passer sur ces chemins là, oui, la place pour le torrent et après
après va se déverser dans... et puis sauter dans la vallée par une cascade. Yahoo! Voilà. De fleurs. Il y a le bisque sec, trois d'eau dedans. On arrive gentiment en zère. S'il n'y avait pas les cloches, ils n'auraient pas vu. Hein. Ils sont planqués là, les vaches. Tranquille. Il y a la station en zère. Voilà. Le bis. Arrivé sur la place du village, enfin du village, si on peut placer un village. J'ai toujours trouvé le traçage très très moche, mais bon, voilà, on est rentré. C'est superbe. Nous, on va finir par aller se faire un petit jacuzzi là-bas dedans. C'est terminé. Un super beau panorama. Coucher de soleil. Avec la lune. Et Mému qui m'a rejoint.